Bonsoir et bienvenue une fois de plus dans les sur Billy Prod en partenariat avec la VKI dans ce nouveau numéro de Diaspo Science et Tech. Aujourd'hui, nous allons parler de la campagne qui a été comme ça initiée par l'Association des ingénieurs et informaticiens camerounais, englobant tous les membres de la diaspora, les entrepreneurs également. Et pour en discuter, nous avons le privilège d'accueillir deux grands entrepreneurs qui auront ici la possibilité de présenter leurs projets et leur impact dans la lutte contre le coronavirus, leur impact dans la campagne initiée par la VKII, l'Association des ingénieurs et informaticiens camerounais. Comme invité sur ce plateau, j'aurai le privilège d'accueillir M. Mélin Tonka, membre de VKII, CEO d'Ocal SAR et promoteur de l'application StopCoro. Hein, il réside en Nürnberg où il a également fait ses études. Comme deuxième panéliste, j'aurai également le privilège d'accueillir M. Yvan Djumi, il est membre de la VKII Cameroun, initiateur du projet ACIT qui est Automatic Sensor Infrared. Alors, bonsoir, monsieur Tonka, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de nous avoir invités à ce panel. Merci. Alors, Monsieur Tonka, nous nous sommes tous réjouis, nous et nos nombreux téléspectateurs, dès que vous avez été annoncé sur ce plateau. On va dire cet homme-là, ce grand, on rappelle que vous êtes CTO à Tonkal, hein, votre entreprise, cette belle entreprise que vous avez mis sur pied. Alors, avant d'entrer dans le sujet, il y a eu le coronavirus. Comment vous l'avez traversé du côté de Nürnberg, vous, vos proches et votre famille? Au départ, j'étais d'abord au Cameroun. Le corona m'a trouvé au Cameroun. Donc, en février, j'étais au Cameroun pour travailler avec les jeunes apparentés. Et c'est là, au moment de retourner en Allemagne, j'étais bloqué. Donc, les aéroports étaient fermés au mois de mars. Et j'ai eu la chance de retourner en Allemagne grâce à l'appui de l'ambassade de l'Allemagne, Donc, une fois arrivé en Belgique, donc on nous a déposé en Belgique et on nous a dit, débrouillez-vous. Bien sûr que les amis allemands et camerounais étaient prêts à venir me chercher jusqu'en Belgique pour me ramener à Nuremberg. Bon, j'ai pris le train de TGV jusqu'à Nuremberg. Et ma grande surprise, c'est que quand je suis arrivé en Belgique à Bruxelles, la gare de Zaventem, que je connais particulièrement très bien de la Belgique, et à Bruxelles, c'était totalement vide. Nous étions les seules personnes à la gare de Zaventem, même quand on arrive à l'heure à 1h du matin. Donc, après, j'ai passé environ 6 heures à la gare, j'ai dormi à l'hôtel et le lendemain, j'ai pris le train pour Nuremberg. Dans le TGV, j'étais dans le wagon, peut-être à 6. C'est là où j'ai senti que c'était un peu compliqué. Une fois arrivé à Nuremberg, je suis sorti, la ville était complètement déserte. Et arrivé à la maison, ma femme et mes enfants, ils sont mis à distance. J'avais préparé une chambre pour moi où j'allais entrer en quarantaine. J'avais une toilette pour moi, seul. Donc ma femme, tout le monde a fui, Donc, ils se disaient que j'ai peut-être chopé cela dans le train ou dans l'avion. Et c'était possible. Donc, je me suis mis en quarantaine pendant 14 jours dans la chambre. Donc, je recevais la nourriture comme un prisonnier. Et puis, j'étais content d'être près de ma famille, Pour bien vous comprendre, ça veut dire que vous avez eu le corona, vous avez été contaminé? Non, je n'ai pas été contaminé. Ah, okay. Heureusement. Heureusement que je n'ai pas été contaminé. C'était au cas où si j'étais contaminé lors du vol de Yaoundé pour l'Allemagne. Donc, ma femme et mes enfants avaient peur de ça, parce qu'en Allemagne, tout le monde avait peur.
Donc, on se disait que si au moins, si j'attrape ça et que si et que je meurs, bon, au moins, je suis près de la famille. Les autres vont Voilà, rester vivants. ils se mettaient tous les jours à la porte. J'ai la vidéo quand ils m'ont reçu. Personne, ils se sont mis tous à la côté quand ils ont ouvert la porte. Après, ils ont nettoyé tout pour que je ne contamine personne, quoi. Ne Donc, contaminer personne. voilà, c'est à peu près ça. Et je suis resté en quarantaine et c'est là que toute l'idée de Stop Corona est née. Donc, des amis m'appellent de l'Allemagne, d'un peu partout, pour me demander est-ce qu'on ne peut pas travailler les jeunes de parenté pour pouvoir développer un respirateur. Donc, on va entrer dans le détail tout à l'heure. Merci, merci, merci une fois de plus de nous avoir présenté. Nous allons aller du côté de, nous allons aller du Parenté. côté de Baganté où il y a Monsieur Yvan Dumé qui nous attend. Alors, Yvan, est-ce que tu es en ligne, Monsieur Dumé? Monsieur, je vous écoute parfaitement, je suis en ligne. Alors, Monsieur Dumé, au niveau du Cameroun à Baganté, comment est-ce que vous avez traversé cette période de la pandémie? Vous traversez cette période de la pandémie nous a trouvés en plein laboratoire, monsieur. Donc, nous avons passé tout notre confinement en train de bosser sur le projet EZIT, tout en suivant le protocole défini par la société Tonka Inc. pour ne pas être contaminé. Exact. Non, ça veut dire que ça a été plutôt positif. Sinon, vous n'avez pas perdu le temps. Vous avez profité pour vous enfermer au laboratoire et travailler. C'était ça. Exactement, en quelque sorte, c'était ça. Bon, c'est vrai. Hein? Et je crois qu'également plusieurs personnes qui ont utilisé cette période morte la soie, c'était pour travailler dans des jardins, c'était pour peindre la maison, c'était pour s'occuper des affaires personnelles, dont c'était aussi l'aspect positif. Alors, aujourd'hui, on reste toujours avec vous, Monsieur Jimmy. Vous êtes membre de la VKII Cameroun et initiateur du projet ACIT. C'est quoi ACIT? En fait, EZIT, c'est un. Si on peut définir d'abord le mot au thème, l'abréviation EZIT, c'est Automatic Sensor Infrared Tape. En fait, c'est un système qui permet de rendre autonome l'utilisation des différents points de lavage des mains ou de distribution de liquide. Et s'il faut aussi ajouter, on peut dire que est un système qui se met en marche lorsqu'il détecte la présence d'une main à l'aide des capteurs qu'il possède. Ça, c'est un peu la définition globale qu'on peut donner de EZIT. Donc, pour mieux comprendre, c'est une application qui a été développée bien avant ou pendant la période de la pandémie. En fait, à la base, EZIT n'était pas encore au moment où nous avons pensé au projet EZIT. Lorsque Monsieur Merlin Tonka était au pays, la pandémie n'avait pas encore atteint le sommet. Il n'était pas encore aussi vulgarisé comme elle est actuellement. Donc, EZIT était un projet qui était mis sur pied pour lutter contre les infections nosocomiales dans nos hôpitaux et d'autres secteurs dont les infections font rage. Ah, très beau projet. Donc, ça veut dire, en fait, vous auriez le temps d'entrer dans le corps du sujet. Et très jeune, je vous vois, hein, entrepreneur. Quelles ont été vos motivations pour vous jeter dans ce monde de l'entrepreneuriat? Quand on sait que ce n'est pas toujours évident du côté du Cameroun, aussi bien sur le plan des ressources que financier. En fait, tout part d'abord du fait du manque d'emploi, s'il faut dire ça, monsieur. Donc, tout part d'abord du fait du manque d'emploi. Et étant donné que jeune ingénieur venant de finir l'école, nous avons besoin de faire nos preuves, de montrer que nous avons le talent de pouvoir apporter du plus à la société. Mais avec le contexte dans lequel nous trouvons au pays, l'emploi n'étant pas évident, nous sommes retournés vers l'entrepreneuriat afin de permettre à nos cadets qui viendront derrière nous de trouver des emplois stables et mettre et exprimer en fait ce qu'ils ont appris sur les bancs tout au long de leur cursus d'ingénierie.
Félicitations, très belle manière de réfléchir. Je crois que c'est une idée également que soutient le président de la République, son Excellence Paul Biya, quand il appelle la jeunesse à entreprendre, quand il appelle la jeunesse à se dévouer, à bouger davantage. Donc, vous êtes un exemple, c'est très bien, vous avez mes félicitations, pas seulement de moi, de toute l'équipe Biliprod et celle de la VKII. Allemagne. Nous allons aller du côté de Yaoundé ou de Nuremberg. Autant pour moi, où nous allons rencontrer Monsieur Tonka. Bon, vous également, vous êtes un entrepreneur. Vous êtes CTO de Tonkal. C'est quoi exactement Tonkal, s'il vous plaît? Non, c'est Tonka-in. Tonka, Tonkal. ça veut dire, ça parle de, ça veut dire que c'est toujours un comparateur qui a défini cela parce que j'essaie toujours d'impliquer les gens qui sont dans le domaine. Je regarde tout dans la communauté, qui peut faire, qui a le know-how que de donner à notre communauté pour que l'argent reste dans notre communauté, quoi. Donc, c'est un compatriote qui est dans le digital qui a défini tout cela. Tonka, ça veut dire Tonka-in. Ça veut dire Tonka Innovation. Ça veut dire que nous innovons. Tonka, c'est la société, donc, Tonka a créé, qui innove dans la technologie. C'est-à-dire que nous, on n'invente rien, on prend ce qui existe et on innove, on fait des publications d'ingénierie, c'est à peu près ça. L'innovation, Tonka Innovations, ça veut dire Tonka In, comme LinkedIn. Donc, vous êtes, vous résidez en Allemagne, en Nuremberg, où vous travaillez également. Vous êtes ingénieur de profession. Vous gagnez également très bien votre vie. Mais quelles sont les motivations de mettre encore sur pied une deuxième structure qui, bon, je ne sais pas trop, quelles ont été vos motivations quand on sait que je ne peux pas parler des quelles motivations étaient d'ordre financière, quand Non, j'imagine un peu ce c'est le que. patriotisme. Oui, non, c'est ça, C'est quand le j'imagine un peu patriotisme. ce que un ingénieur de votre rang gagne, hein? Donc, quelles ont été vos motivations? Ah oui, ça a commencé en 2015 quand on a eu 1 million de réfugiés en Allemagne et mes enfants reviennent de l'école en route, comme ils sont noirs et les Allemands les appellent, disent rentre chez vous, go gehen zurück nach Hause, ou mon fils, on l'insulte avec des mots de pas très agréable. Et chaque fois, mon enfant, ma fille ou mon fils reviennent à la maison, me disent, papa, à cause des réfugiés, parce que ce n'est que de ça qu'on parle à la télé. Et nous sommes insultés en route, donc j'ai peur de sortir. Et ça m'a fait un peu tiquer. Donc j'ai essayé de rencontrer un autre compatriote qui était prêt à rentrer au Cameroun, c'était Honoré Tiako. Moi, j'avais l'habitude d'aller au Cameroun juste pour travailler ou finir mon cimetière, comme ma mère me dit avant. Donc, il m'a mis en contact avec le docteur Njoumessi. Il m'a dit qu'il y a une formation à Francfort. Je suis allé là-bas pour comment investir au pays, quoi. Donc, je suis allé à la formation et c'est là où j'ai fait la connaissance du docteur Njoumessi. Donc, à la fin de la journée, on est allé au restaurant à Francfort et il est venu s'asseoir spécialement à côté de moi. Il me pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je lui dis, je suis responsable, je suis ingénieur, j'ai fait mes études à Erlangen, j'ai fait mon bachelor en 3 ans. J'étais très content d'expliquer comment je suis le meilleur ingénieur du monde. J'ai fait mon master en 2 ans et aujourd'hui, je dirige des équipes d'ingénieurs un peu partout, en Allemagne, en Slovaquie et en Chine. Et après, à la fin, il me pose une seule question. Et l'Afrique dans tout ça, et le Cameroun qui a payé tes études dans tout ça. Oui, ça m'a fatigué, quoi. J'ai dit non. Le Cameroun, qu'est-ce que ça a fait dans tout ça? Il m'a posé, il me dit, mais tu enseignes les Blancs, tu enseignes les Chinois, tu es content de le faire, que tu maîtrises la technologie, mais ton pays qui a fait de toi, si tu n'avais pas ce bac-là, tu ne devais pas être là où tu es aujourd'hui. C'est cette base-là que le Cameroun t'a donnée. Et en plus, tu me dis, tu étais à l'internat, et c'est l'internat, c'est le gouvernement qui payait tes études, et aujourd'hui, le Cameroun ne profite de rien. Et en plus, maintenant, tu me dis que tes enfants ont des problèmes dans la rue à cause de l'immigration et tout ça, mais qu'est-ce que tu fais pour ton pays? Et c'est là, c'est parti, quoi. Donc, et je lui ai dit non, j'étais en train de réfléchir d'aller au Rwanda. Effectivement, j'allais au Rwanda parce que j'avais quelqu'un au Rwanda qui insistait que je vienne là-bas. Parce que quand j'ai eu cette situation avec mes enfants, il insistait que je vienne là-bas. Il me disait, si tu viens, on va te délivrer le tapis rouge, on va tout payer, tout. Je vais m'engager, tu vois. Tu n'as rien investi, je vais tout payer. Donc, Didier m'a essayé de convaincre le docteur Njoumessi et il m'a dit, bon, je vais te mettre en contact avec quelqu'un à l'université des montagnes et tu vas venir voir sur le terrain et voir toi-même quoi. Donc, je suis
allé à l'UDM, l'Université de Montana Barranquilla. C'est l'ingénieur Atanana qui m'a reçu, André Atanana qui m'a reçu. Et quand il m'a reçu, alors je suis entré dans son bureau et je vois les mêmes livres d'électronique que j'ai appris en Allemagne sur sa table. Il me dit, mais Merlin, voilà, nous enseignons les enfants, mais les enfants s'en vont, on enseigne la même chose qu'on fait en Allemagne, mais ils préfèrent aller en Allemagne après, même après les études, alors qu'on enseigne la même chose ici, les mêmes mathématiques, les mêmes électroniques. Donc, il m'a demandé de venir enseigner. Je doutais toujours parce que quand j'étais à l'université de Ngoyekele, après mon bac, lors de l'examen, il y avait des gens qui avaient déjà le corrigé. Ça m'avait marqué très négativement. Pour moi, c'était que le Cameroun, c'est tout ce qu'on fait. Le seul diplôme que je respecte au Cameroun, c'était le bac, quoi. Donc, je suis retourné à l'UDM. J'ai enseigné là-bas pendant 10 jours parce que je n'avais pas beaucoup de temps. Ils voulaient 3 semaines. Moi, j'avais beaucoup de travail. Je ne pouvais pas rester au Cameroun plus de 2 semaines. C'est là que j'ai rencontré des jeunes hyper performants et qui faisaient des choses que moi, je ne parvenais pas à faire quand j'étais en master à l'université d'Erlangen. J'étais ébloui et j'ai pris directement, j'étais en train de faire ma maison, j'ai arrêté la construction, j'ai pris le jeune et c'est là que l'idée de Tonkaïn est née. Et je forme les jeunes et mon objectif, c'est de les mettre pas à mon niveau, au-dessus de moi. C'est-à-dire que je veux que ces jeunes, ils sont déjà, c'est-à-dire que quand je donne du travail à un jeune au Cameroun, que c'est comme si je donnais un travail à un Allemand ou à un Chinois que j'ai formé, quoi. Donc, je recrute des jeunes comme working student, comme Yvan, et ils travaillent chez moi et je les forme. À la fin, maintenant, s'il n'y a pas la possibilité de recruter, je les encadre pour qu'ils soient indépendants et créent la plus-value pour notre pays, quoi. Ce n'est que le patriotisme, j'investis mon argent sans aucun soutien. Ah, félicitations, Monsieur Tongal, c'est un très beau témoignage de votre part. On rappelle également que vous êtes membre de la VKII Depuis Allemagne, des années, je l'association pense plus depuis de des 15 années, ans, je pense. l'association des ingénieurs et informaticiens Du camerounais. Cameroun, Et c'est en Allemagne. également dans cette vision-là que le président Steve Comine travaille et tout le bureau, tous les membres travaillent. C'est ce transport ce transfert de connaissances. Hein, ce transfert de know-how vers le Cameroun, et vous êtes en train de très bien faire ça. Mais Merci. comme nous sommes journalistes, on a recherché sur vous, on est allé dans vos services, c'était Delphine Foucoutini, hein, elle est très discrète, elle a fait des petites recherches sur vous, donc on va présenter à nous, téléspectateurs, ce que vous faites exactement avant d'amorcer la grande thématique. Merci. La COVID-19 a frappé. Ils ont développé des stratégies innovantes pour contrer sa propagation. Ce centre de génie camerounais. Premier cliché, derrière ce visage innocent et cette carrure se cache un homme, Yvan Djemi Ngoupeyou. Le jeune entrepreneur et porteur du projet AZIT, Automatic Sensor, Infrared Tap. Voici comment cela fonctionne. Je me suis rendu compte que lorsqu'un individu ouvre un robinet et nettoie ses mains, non seulement il tue les mains qui tuent le virus, quand il est en train de laver les mains. Une fois d'avoir fini de laver les mains, je veux faire que le robinet en touchant, en portant encore le même robinet dont il puisse se débarrasser. Moi, là, je suis décidé de mettre un prototype pour pouvoir enclencher le robinet de manière automatique, afin que ça puisse délever de l'eau et afin que l'utilisateur puisse mieux laver ses mains et décontaminer ses mains avant d'entrer dans les lieux publics comme la mairie de Barakès. Notre jeune invité a obtenu sa licence et son master en ingénierie biomédicale à l'Université des Montagnes à Bagantè, au Cameroun. Contrairement à Merlin Tomka, qui est titulaire d'une licence et d'une maîtrise en computational engineering à l'Université d'Erlangen, en Allemagne. Notre deuxième invité est actuellement Chief Technical Officer à Tonkan, à Bagantè.
L'entreprise est bien engagée dans la sensibilisation contre le coronavirus. Regardez. The doctor updates stop Toro. Jane and Amity received stop Toro alert as they have been in contact with Paul within the last 14 days. Jane and Amity then consult a medical personnel for a COVID-19 test. Start using stop Toro while traveling, in a taxi, on a bus, on a plane, at work, in the market and so forth, to help reduce the spread of COVID-19. Derrière ce sourire porté par cette tête bien faite, se cache un développeur de logiciels, testeur, chef projet et chef d'équipe. En tout cas, vous en saurez davantage sur Merlin et sur Yvan au cours de votre émission Diaspo Science et Tech. Vous pouvez participer dès maintenant, chers internautes, en envoyant vos préoccupations. Et Billy se chargera de les poser à nos invités. Voilà pour l'essentiel des présentations. Bon débat à tous. La COVID-19 a frappé. D'ici ou d'ailleurs, prépayez les soins médicaux de vos proches auprès des cliniques en Afrique pour une prise en charge instantanée. MedicAfrique, the easiest access to health. D'ici ou d'ailleurs, prépayez les soins médicaux de vos proches auprès des cliniques en Afrique pour une prise en charge instantanée. MedicAfrique, the easiest access to health. D'ici ou d'ailleurs, prépayez les soins médicaux de vos proches auprès des cliniques en Afrique pour une prise en charge instantanée. MedicAfrique, the easiest access to health. Bref, ça fait depuis, je vous ai dit quand je suis rentré en Allemagne, j'étais en confinement et puis j'ai essayé de joindre mon équipe à Parenté pour discuter comment apporter notre aide à cette action qui se, pour contribuer à la lutte contre le coronavirus. Et nous avons, il y a des amis qui m'ont appelé, ils m'ont dit voilà, on peut faire un respirateur. Je lui ai dit non, je ne maîtrise pas la technologie. Et puis j'ai discuté avec mon équipe à Barenté. On s'est aperçu que la technologie de Bluetooth, c'est la technologie la mieux adaptée pour lutter contre ça. Et nous maîtrisons cela. C'est notre travail tous les jours. Je travaille dans la médecine biomédicale et c'est notre daily job, quoi. Donc, on s'est mis à développer. Ça fait depuis le mois d'avril, ça fait 3 mois aujourd'hui qu'on travaille et réunit toute une équipe d'ingénieurs dévoués pour travailler dans un truc aussi pareil. Ça coûte de l'argent. J'ai dépensé
plus de 10 000 euros. Et puis, nous n'avons pas fini, ce n'est pas terminé parce que les features, on a mis en place tout un écosystème qui permet à l'administration de gérer tout la pandémie, quoi. C'est-à-dire que du malade, la personne qui est testée positive, de son statut et de l'alerte aux personnes malades. Parce que le stop-go, comme je disais, c'est quelque chose de digital, comme les Allemands ont développé avec Corona. Chaque pays essaie de développer une solution pour prévoir l'avenir et le présent. Et quand le corona a commencé au mois de février au Cameroun, c'est arrivé au Cameroun, je pense, c'était le 20, le 21, le 24 février, quand ça a commencé à entrer au pays, personne n'était préparé. Il faudrait que la prochaine fois, quand la pandémie revient, que nous serons bien préparés comme les Allemands le font et les Français. Donc, nous ne devons pas compter sur eux. Quand ça a commencé, chacun se battait chez soi. Donc, nous, on se prépare pour protéger nos compatriotes et nous protéger nous-mêmes. Et donc, c'est un investissement assez lourd, quoi. Donc, ce n'est pas fini. On a déjà des features qui marchent très bien, qui ont été testées par plus de 80 personnes de par le monde et plus d'une dizaine de personnes au Cameroun. Et donc, comme je dis, réunir les ingénieurs, ce n'est pas, ce n'est pas quelque chose d'assez. Ce n'est pas les beignets ou les arachides comme on mâche, quoi. Donc, c'est le savoir-faire, la crème de la crème pour développer une solution optimale pour notre pays. Et ce que je dis, c'est que si on reçoit ce don, si la BKA nous fait ce don, parce que nous, on a fait ce don, parce que toutes les dépenses que nous faisons, c'est les dépenses de Tonkain, parce que mobiliser les employés qui étaient d'abord, on fait la recherche, on arrête la recherche pour lutter contre la pandémie et faire ce don pour notre peuple, à notre gouvernement, parce que le gouvernement demande à tous les citoyens de contribuer si vous avez des idées d'aider le gouvernement à pouvoir lutter de manière efficace à cette solution-là. Et si on. En plus, si on reçoit le don, ce n'est pas qu'on va le garder pour nous, c'est que c'est pour aider à mettre en place ces structures-là au ministère de la Santé, dans les laboratoires, le test, dans les résultats des tests. Et bref, c'est un don. Et il n'y a que le gouvernement qui peut publier cela. Si vous développez une application contre COVID, vous ne pouvez pas le publier dans Play Store ou dans Apple Store sans l'autorisation du gouvernement. Donc, si le gouvernement n'utilise pas ça, ça va rester dans nos tiroirs et peut-être un jour ils reviendront vers nous. Et puis, s'il y a une autre pandémie, on l'utilisera, quoi. Donc, on travaille pour aider notre peuple et faire comme les autres peuples font pour leur pays et ne pas toujours attendre que c'est le gouvernement qui fasse tout, quoi. Alors, Monsieur Tonka, vous parlez là de plus de 10 000 euros qui sont déjà, que vous avez déjà dépensé. Qui est votre apport? Parce qu'à la fin de ce C'est l'apport de Tonkain, quoi, parce que les emplois de Tonkain, ils sont payés par ces dépenses-là. C'est Oui. pas l'argent, c'est pas mon argent seul, quoi. C'est parce que Je je comprends paie des des gens qui travaillent, quoi, voilà. qui travaillent. Et qui sont de, voilà, qui sont des ingénieurs qui travaillent pour ça. Donc, c'est pas que je le. Et vous prenez ça comme c'est l'apport de Tonkain, comme on dit, comme ça, Exact, personnel, dans la personnel. ville. Et Et ce qui donc, est moi, notre très. budget s'est fixé à 20 000 euros et on a plus de 10 000 euros actuellement, quoi, 10 000 de euros. dépenses. Et ce que je trouve intéressant, je vais prendre cet adage qui dit gouverner, c'est prévoir. Ça veut dire ce projet que vous êtes en train de mettre sur pied, il pourra aider dans la lutte contre le COVID-19, mais également dans les prochaines pandémies. Hein? Ouais, Et pas seulement pour. même pas dans les Dans les pandémies, prochaines comme vous pandémies, l'avez on n'attend pas, on ne sera plus surpris comme cette fois-ci au mois de février, quoi. Non, non, ça se passera plus chez nous. On ne veut plus ça, quoi. Donc, pendant que les Allemands se préparent chez eux, nous aussi, nous nous préparons chez nous. Parce que nous maîtrisons la technologie. On ne peut pas attendre que c'est les Allemands qui viennent faire ça pour nous. Quand la pandémie a commencé, chacun était chez soi, quoi. Donc, personne. Non, nous, on est préparés. On peut Préparé. être formés, on enseigne, on travaille les Allemands, on leur dit ce qu'il faut faire et chez nous, on est incapable de le faire chez nous. Ah, merci. Je vais aller du côté comme ça de Baganté au Cameroun où Monsieur Jimmy nous attend. Alors, est-ce qu'il est toujours en ligne? Exactement, je suis toujours en ligne, monsieur. Ah, très belle connexion du côté de. Oh là, nous sommes dans le noir. Et j'étais déjà en train de féliciter la connexion au pays. Bon, il va d'ici peu le moment, d'ici peu, il va se connecter. Jimmy a eu un petit souci. Est-ce qu'il nous écoute, Jimmy? Je vous écoute, monsieur. Je pense que la connexion a été rétablie.
Non, pas toujours de mon côté. Je ne sais pas Je trop. l'écoute très bien, je l'écoute très bien, Oui, Billy. je l'écoute, le son y est, mais je n'ai pas d'image, je n'ai pas son. Allô? Oui, Mais ça. l'image. Bien que sa caméra soit activée, tout est bien, je ne sais pas trop Ah, pourquoi. mais Yvan, il faut peut-être reconnecter, peut-être. Oui, nous essayons de. Essayons de mettre de Oui, nouveau les. pendant qu'il se reconnecte, on va continuer. Donc, il peut juste se déconnecter et se reconnecter à nouveau. Hein, Exact. et nous allons continuer du côté C'est de. Pendant ce temps, on reste en Nürnberg avec Monsieur Tonga. Alors, quand on parle de revenons sur. C'est quoi sa Vous question? avez dit que ce projet, cette start-up que vous êtes en train de développer, hein, ce produit que vous développez devrait aider pour des prochaines pandémies. Est-ce que vous allez seulement attendre les pandémies ou on pourra aussi directement l'utiliser dans le secteur, dans certains secteurs au Cameroun? Non, on peut déjà l'utiliser actuellement parce que nous, nous sommes en plein développement et on veut y introduire l'interface de Google et Apple comme l'Allemagne l'a fait. Et nous sommes en train de travailler activement là-dessus et je pense que peut-être d'ici septembre, ça sera pas terminé. C'est juste un pronostic quoi, parce que l'ingénierie, c'est comme on dit en Allemagne, des toffes, des détails. C'est quand on est dans le détail qu'on comprend qu'il y a certaines difficultés. On estime que peut-être d'ici quelques mois, on sera terminé avec ça. Et ce n'est pas qu'on a la plateforme. La plateforme, elle est là, l'écosystème est là. C'est-à-dire qu'on a un user app qui permet à l'utilisateur de télécharger l'application, si le gouvernement publie cela. Et partout où il va, il peut, qu'il soit dans un bar, il reçoit les amis à la maison, il enregistre les contacts de manière anonyme, quoi. Et quand il a enregistré ses contacts de manière anonyme, on a une deuxième plateforme qui sera utilisée par les médecins, par les médecins ou les centres de test. Et c'est une application qui est connectée directement au serveur. Et ce serveur permet, quand le malade va faire le test, quand il est positif, on l'inscrit dans cette application. On appelle ça l'administration portal, le portail d'administration. Et on peut dire, le malade, le test était positif, et on l'a mis en quarantaine, il est en quarantaine. Donc, une fois qu'on a enregistré le patient, on peut déjà dire, par exemple, si le patient est de Kousséri, par exemple, de l'extrême nord du Cameroun, là où je connais très bien, à côté de Djamena. Donc, si le patient est de Kousséri, immédiatement, on va voir dans les statistiques qu'à Kousséri aujourd'hui, on a testé par exemple 10 personnes. Sur les 10 personnes, 2 sont positives. Donc, c'est à temps réel. On n'a plus besoin d'attendre le soir à 19 h pour que le gouvernement donne le nombre de personnes testées et de personnes positives. Donc, ça sera comme en Allemagne. C'est-à-dire qu'une fois que le test est là, on inscrit la personne dans la base de données, les statistiques sont immédiatement faites Et et puis puis toute la population est c'est au tout courant le de ce monde qui se passe, quoi. informé et là on saura comment mieux réagir. Alors, Exact. vous vous déployez tellement, vous investissez aussi bien vos connaissances, l'énergie et aussi les finances. Qu'est-ce que vous attendez en retour? Vous avez vu vous voyez pendant la pandémie, jusqu'à présent, les gens font les dons. Vous voyez l'UCB fait le don, vous voyez la Brasserie du Cameroun fait les dons, tu vois les personnalités des élites du pays font le don. Et à chacun essaie de contribuer à son niveau, dans son village, au gouvernement. Donc, c'est cet appel que le gouvernement, le ministre de la Santé a lancé il y a cela quelques mois, que appel de don à tout le monde, quoi. Donc, c'est notre contribution à notre nation. On n'attend rien en retour. On attend qu'un jour, nous attendons qu'un jour, peut-être dans les semaines qui viennent ou quelques mois qui viennent, que si une situation pareille arrive, que notre gouvernement ait la logistique technique et digitale pour pouvoir affronter cette pandémie ou une nouvelle pandémie. Donc, c'est une contribution nous n'attendons rien en Ok, retour. vous n'attendez rien en retour, vous n'attendez Exact. aucune nomination, rien, Non, je non, me non, 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 je ne félicite. suis pas politicien, moi. Je suis ingénieur. non, mais on parle Je ne politique. veux Non, aucune nomination. Je gagne ma vous vie pouvez assez également. bien. Et je Bon, gagne ma vie assez bien. Je n'attends aucune nomination de qui que ce c'était soit. juste une manière Je de blaguer, mais serais très c'est pas malheureux si on me nomme, quoi, parce que j'adore ce que je fais.
Je suis ingénieur puissant, quoi. On va aller du côté de Bagancé où Monsieur Demi est. On a la connexion. Alors, Monsieur Demi, vous qui nous recevez, est-ce que vous nous recevez là? Et nous vous recevons, monsieur. Alors, super, belle connexion du côté du Cameroun. Le Cameroun évolue, le Cameroun grandit. Le Cameroun a des ingénieurs très compétents comme notre petit frère Jimmy. Alors, Jimmy, dans cette lutte, tu es membre de la VKI et la VKI a mis comme ça sur pied cette grande campagne, a initié cette grande campagne pour lutter contre le COVID-19. Quel sera l'apport, sinon, quel est l'apport de ton entreprise de ESIT dans cette lutte contre le COVID-19? L'apport de ici dans la lutte contre le COVID-19, s'il faut parler de ça, c'est juste que, étant donné que l'une des mesures prescrites par l'OMS, qui est une des mesures prescrites par l'OMS, qui est le lavage des mains, nous apportons donc un moyen à nos frères camerounais, un moyen de pouvoir le faire sans entrer en contact avec l'élément utilisé pour faire ce lavage-là. Ça, c'est l'apport que ESIT amène dans la lutte contre le COVID-19. Mais il faut aussi noter que ESIT ne se limite pas seulement à amener un apport dans la lutte contre le COVID-19, mais aussi contre les infections nosocomiales qui fait partie des taux de mortalité qui dans notre pays, en fait. Merci. Alors, dans le ce projet que vous développez présentement, il sera vendu ou il sera également mis comme ça à la disposition du gouvernement? Vous allez l'offrir aux autorités camerounaises, comme l'a fait comme l'a fait Monsieur Tonka? Par rapport au produit, pour notre propre contribution d'abord dans la lutte du COVID contre le COVID-19, dans notre ville de Barenté, nous avons eu à offrir un certain nombre de pièces à la mairie de Barenté, qui a permis que cela soit installé dans les coins stratégiques pour pouvoir lutter contre la pandémie. Ça a été notre apport pour la lutte contre le COVID-19 dans notre localité. Ce qui, c'est par rapport maintenant aux pièces, les pièces pour pouvoir mettre sur pied une structure qui pourra générer des emplois plus tard, nous avons jugé judicieux de mettre en vente les pièces, monsieur. Bon, c'est tout à fait normal, hein. Vous êtes encore un jeune, vous êtes un jeune entrepreneur et jeune ingénieur. Vous êtes encore en train de vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat et félicitations déjà. Merci encore d'avoir aidé les populations de votre région, les populations de Baganté, d'avoir remis le matériel au maire de Baganté afin que celui-ci mette à la disposition des populations. C'est déjà un grand apport quand on voit, je dis encore, je suis surpris quand je vois votre âge et ce que vous faites, c'est quelque chose de Génial. fabuleux. Alors, qu'est-ce que vous attendez en retour? Parce que vous avez offert comme ça plusieurs pièces, vous avez travaillé dur. Qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous attendez en retour? En fait, ce que nous demandons en retour, c'est un soutien, monsieur. C'est un soutien qui nous permettra de pouvoir mettre vraiment sur pied plusieurs prototypes de ESIT. Ça, c'est ce que nous attendons en retour, en fait. Alors, super, je suis sûr que le président Steve Comunia, qui est président de la VKI, et comme vous êtes membre, il a initié ce projet comme ça pour apporter, parce qu'il y a des fonds qui sont collectés, et ces fonds seront mis comme ça à la disposition des jeunes entrepreneurs comme vous, afin de booster votre projet dans la lutte contre le COVID-19. Alors, nous allons revenir du côté de Nürnberg où M. Tonga nous attend. Alors, M. Tonga, ça fait 45 minutes, Tonka, Tonka. Tonkal. Ouais.
Tonka, Tonka in, Tonka. Tonka. Tonka Innovation. Alors, monsieur Tonka, ça fait exactement 45 minutes que nous discutons. Nous avons parlé de votre structure, nous avons parlé de ce que vous faites, des merveilles que vous réalisez, de ce transport, de ce transfert de connaissances hein, de l'Allemagne vers en direction du Cameroun et sur toute l'étendue du territoire, parce qu'il ne faut pas seulement dire que, vu que les connaissances n'ont pas de frontières, hein, parce que l'on pourrait dire que vous êtes en train de faire ça uniquement pour votre région. Et non, je suis c'était du pur hasard, quoi. Oui. Donc, moi, j'allais au Rwanda, c'était même au Cameroun que j'allais. André Atarna qui nous a beaucoup soutenus. Et maintenant, on a le docteur Youssoufa qui travaille avec nous. Il est maintenant professeur à l'université de Ngaoundéré. Et on est en train de discuter comment mettre la même structure à Ngaoundéré, quoi. Donc, nous, là où il y a le savoir, nous, on va y aller. Nous sommes Africains. Cet esprit de régionalisme, ça ne nous intéresse pas. Quoi. Non, on veut faire avancer l'Afrique. Quoi. Le Cameroun, c'est trop petit pour parler de la technologie. Donc, là où il y a le savoir, non, on va y aller. C'est ça. C'était juste par pur hasard que je me suis retrouvé à Barente. Je voulais aller au Rwanda, au départ. OK. Et malheureusement, et par chance, les terres de vos aïeux vous ont rappelé. Hein, parce exact. Que, et exact. Les terres de vos aïeux vous ont rappelé. Alors, il y a également le ministère de la recherche qui travaille énormément dans ce sens-là. Est-ce que vous êtes en contact? Est-ce que vous travaillez en collaboration avec les autorités camerounaises? Peut-être pour leur apporter votre soutien ou pour voir comment changer des connaissances, je ne sais pas. Pour l'instant, non, parce que je suis tellement occupé, j'ai beaucoup de jeunes sous ma responsabilité, pas seulement au Cameroun, en Allemagne, en Chine et en Slovaquie. Donc, ce qui fait que c'est extrêmement difficile pour moi de gérer mon temps. Je travaille énormément. Et quand je suis au Cameroun, je suis avec les professeurs de l'université de Barente, je suis avec l'ingénieur Tangana ou je suis avec le docteur Youssoufa avec mes jeunes. C'est extrêmement difficile de me rencontrer. Donc, déjà, quand je suis là, quand je suis émerveillé par le travail qu'ils réalisent au Cameroun. Quoi. Donc, pour moi, c'est comme si on n'est pas encore arrivé à un niveau que je peux dire que je vais aller. Je suis encore en train de former les gens. Je veux les mettre là. C'est-à-dire que je veux qu'ils soient mieux que tout le monde. Quoi. Que quand on parle de technologie, on parle de qu'on sorte de ce dilemme que l'Afrique ne peut rien. Que nous, on crée nous-mêmes ce qu'on veut. Quand je vois le jeune Yvan, Jimmy Lefebvre, je suis... Tout ce qui est technologie me fascine. Donc, et tout ce qui ne va pas dans ce sens me dérange un peu. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore la capacité, mais je vais le faire. Alors, merci, monsieur Tonka. Nous allons aller du côté de Baganté, où l'un de nos téléspectateurs a une question pour monsieur Jimmy, qui est directeur comme ça de cette... grande entreprise ACIT. Il aimerait savoir quelle est la taille du produit final. Il est intégré au robinet ou c'est un dispositif indépendant placé avec une citerne comme dans le spot? En fait, nous disposons de plusieurs ACIT. C'est un module ACIT n'est pas disposé uniquement sur les citernes. Le produit fini d'Azit qui est différent de celui que nous voyons sur les spots, en fait. Le produit fini d'Azit s'installera sur tous les robinets, que ce soit un robinet de cuisine, un robinet dans les laboratoires, les robinets dans les lieux publics, que ce soit les robinets montés sur des citernes, Azit pourra s'installer sur ces différents robinets-là. Azit n'est pas destiné à un seul type de robinet, mais à tous les différents types de robinets que nous pouvons rencontrer dans notre pays. Les tailles sont variables ou elles sont... La taille d'Asie n'est pas variable, elle est unique. Elle est unique. Et elle fait environ quelle dimension? Les dimensions d'Asie sont dans les 13 cm. 13 cm. En longueur. Une longueur de 13 cm et une hauteur de 10 cm maximum. De 8 à 10 cm maximum. Merci. Avant de clôturer, pendant que nous sommes toujours avec vous, Monsieur Jimmy, vous allez nous faire cet honneur de regarder la caméra, parce que vous avez deux caméras, je sais, de regarder plutôt la caméra, non l'autre caméra, de la webcam, exactement.
Parce qu'en regardant celle-là, alors avant de clôturer cette émission, puisque nous sommes arrivés presque au terme, est-ce que vous avez un mot comme ça à l'endroit des membres de la diaspora, des autres entrepreneurs ou peut-être des personnes qui aimeraient apporter leur support comme ça à votre entreprise? En fait, ce que je peux d'abord dire à l'endroit des membres de la diaspora, c'est de dire que au Cameroun, nous avons des talents. Nous avons les moyens de mettre sur pied des technologies qui pourront faire concurrence à ce que nous voyons à l'extérieur, dans les pays occidentaux. Mais ce qui suffit juste, c'est cet apport financier qui nous permettra d'acquérir le matériel nécessaire. Ça, c'est ce que nous pouvons dire à l'endroit de la diaspora camerounaise. Et par rapport aussi à l'endroit des différents autres entrepreneurs qui nous regardent, c'est de dire, nous devons nous battre. Nous devons nous battre parce que nous croyons en ce que nous avons appris, nous croyons en nos connaissances et nous sommes capables d'apporter un plus technologique à notre pays. Ça, c'est ce que je peux dire en tant que jeune entrepreneur à mes autres frères entrepreneurs qui me regardent et qui ont envie de baisser les bras. Alors, très beau message. C'est ce que vous dites à d'autres entrepreneurs qui ont envie de baisser les bras, surtout qu'on sait que ce n'est pas un secteur facile. Il faut vraiment beaucoup travailler. Alors, on revient du côté de Nuremberg. Alors, Monsieur Tonka, nous sommes arrivés presque au terme de cette émission. Est-ce que vous également, vous avez un message que vous aimeriez passer comme ça à l'endroit des différents de personnes qui nous regardent, les entrepreneurs et les gens qui aimeraient peut-être être des partenaires dans votre projet? Merci Billy, je suis très content de cette question parce que c'est quelque chose qui me va tout droit au cœur. Aller dans investir chez nous, il faut beaucoup de patience. Ça fait plus de 3 ans et demi que je travaille là-bas et comme vous avez entendu, vous avez des jeunes très bien qualifiés et qu'ils ont besoin juste des gens pour tenir leurs mains. Et nous avons de l'expérience, nous travaillons dans les meilleurs laboratoires en Allemagne et l'Allemagne est champion du monde et l'Allemagne n'a pas de pétrole, l'Allemagne n'a pas de coton, n'a pas de bois comme chez nous, je ne sais pas quoi, le diamant, mais c'est le savoir, c'est comme on dit, c'est la tête qui est la clé de tout, quoi. C'est-à-dire que c'est la recherche, l'ingénierie. Et l'ingénierie, ça veut dire développer, innover. Et l'ingénierie, ça veut dire prendre ce qui existe et essayer d'ajouter une plus-value là-dessus pour que l'utilisateur soit plus à l'aise avec ça. L'ingénierie, ça ne veut pas dire aller en Chine et reprendre quelque chose et venir en Afrique, dire qu'on a inventé quelque chose. L'ingénierie, ce sont les publications. La force d'un pays, ce sont les publications. Et c'est pour ça que nous travaillons directement avec l'Université des Montagnes et que tous les compatriotes qui sont en Allemagne, qui travaillent dans la recherche comme nous, qui se disent que la science est universelle et que s'ils ont besoin que je les encadre, parce qu'il y a des gens comme Dr Djoumessi, comme Dr Youssoufa ou l'ingénieur Atangana ou l'ingénieur Honoré Thiago qui m'encadre, que je leur donne aussi cette chance qu'on m'a donnée parce que je n'ai jamais eu de problème. Comme je vous dis la vérité, quand j'arrive là-bas, je suis dans le milieu universitaire et ce milieu universitaire, vraiment, c'est génial. Ça permet l'éclosion de l'innovation. Et quand je vois des jeunes, comme je l'ai dit tout à l'heure au début, quand je vois des jeunes qui ont fini leur école et comparé à ce que j'ai eu à l'Université des Langues, bon, c'est vraiment... Il travaille beaucoup là-bas. Donc, si quelqu'un, j'ai des compatriotes, nous, on a chaque fois les thèses chez nous. Je viens de recruter encore des étudiants, 4 étudiants de l'Université de Montagne que je forme personnellement pour leur mettre au niveau. Quand ils vont finir leurs études, qu'ils soient full stack developers, qu'ils n'ont rien à envier à un Allemand qui a fini ses études en Allemagne, qu'ils soient capables. C'est pour ça que je travaille avec l'Université de Montagne quand j'étais d'abord au mois de mars. On s'est réunis avec les professeurs pour dire qu'est-ce que l'industrie a besoin pour que l'étudiant qui finit, on s'est réunis beaucoup d'entrepreneurs du Cameroun qui travaillent avec leurs étudiants. On a essayé d'adapter le programme à partir d'octobre de 2020. Le programme de l'Université des Montagnes sera totalement adapté à l'industrie pour que quand le jeune finit, on est capable d'utiliser directement. Donc, si quelqu'un est venu au Cameroun investir, il peut passer par moi. Il y a aussi un compatriote déjà qui travaille. Moi, je dis merci au compatriote qui encadre un jeune actuellement qui est en train de faire sa thèse de Master 2. Et à la fin de ça, il a l'intention de l'embaucher. Et je vais le garder dans notre laboratoire. Il va travailler, nous, on va l'encadrer. Et nous sommes juste là pour l'amener à faire un pas. Ça va faire un emploi de plus au Cameroun.
Et si ce jeune-là travaille et reste au Cameroun, c'est très bien. Mais quelqu'un comme l'ingénieur à Tangana ou le docteur Youssoufa, qui a fait ses études à l'étranger et qui décide, André Tangana était à Hambourg, il a décidé d'entrer au Cameroun, servir notre pays, servir l'Afrique. Et ils forment les jeunes la vont encore en France. Ça fait mal. Quand je vois les jeunes de mon équipe, presque tous leurs camarades sont en France. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir s'épanouir. Il n'y a personne pour les encadrer. C'est pour ça que ton Tain est là pour aider aussi à incuber les jeunes, comme nous sommes en train de faire le jeune Jimmy, Yvan Jimmy. Donc, on s'occupe de lui, mais il fait son projet, on l'encadre financièrement et intellectuellement en lui fournissant les experts de notre équipe. Donc, si quelqu'un veut venir travailler avec nous, il est la bienvenue. On va lui montrer la même porte qu'on a eu pour entrer au Cameroun. Je suis bien encadré, je suis fier d'être, je ne regrette pas d'être entré au Cameroun et travailler avec mes compatriotes. Merci. Une dernière question pour vous, Monsieur Merlin Tonka. D'entrée de jeu, j'ai dit que vous étiez membre de la VKI, vous êtes CEO de Tonka La Salle et promoteur de l'application Stop Coro. On n'a pas parlé de Stop Coro pendant l'émission. C'est quoi exactement cette application Stop Coro? J'ai parlé en intermédiaire. Stop Coro, c'est une application de traçage de virus. Ça dit que quand vous allez en ville, j'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes en ville, vous êtes avec des amis à la maison, vous lancez votre application, vous enregistrez tous les contacts. Et si demain, une des personnes que vous avez rencontrées, parce que quand vous allez en ville, vous êtes dans le bus ou dans l'avion, vous ne connaissez pas avec qui vous êtes assis. Vous êtes dans le bus, par exemple, Douala Yaoundé, vous ne savez pas avec qui vous êtes assis. Peut-être celui qui est à côté de vous est asymptomatique à le coronavirus. Alors, ce qui fait que celui-là, dès qu'il va aller à l'hôpital, s'il a enregistré votre contact dans l'application, dès qu'il de manière anonyme, pas avec le nom, c'est-à-dire que dès qu'il arrive à l'hôpital, au laboratoire de test, dès qu'on fait ce test-là, le médecin entre dans une autre application qui est l'administration, l'application pour l'administration. Le médecin entre son identifiant anonyme dans la base de données. Une fois il est entré, tous les contacts que vous avez eus en voyageant Douala Yaoundé ou Douala Bafoussam ou je ne sais pas, Douala Ebolova. Donc, tous les contacts que vous avez enregistrés dans ce bus-là seront immédiatement informés qu'il y a quelqu'un avec qui tel jour que vous avez voyagé, ou tel jour que vous avez rencontré, qui est maintenant testé positif. C'est bien déjà que vous allez peut-être vous mettre en quarantaine, comme ça se fait en Allemagne. Quand dès qu'on dit cela, vous rentrez dans la maison, comme vous faites comme moi quand je suis revenu en Allemagne, j'étais dans la chambre, vous ne sortez pas pour éviter de propager la maladie. Ce qui ça aide beaucoup dans la traçabilité. Donc, on n'a plus ce problème que on a oublié. Généralement, vous ne savez pas avec qui vous êtes dans le bus. C'est impossible. Vous ne pouvez pas vous rappeler de tout le monde. Donc, l'application permet de gérer cela et éviter la propagation. Donc, si quelqu'un est positif, il transmet ça à quelqu'un et cette personne est asymptomatique et cette personne ne sait pas qu'il est aussi peut-être atteint, il va continuer à propager. Ouais. La maladie est là. Quand je vois ma tante, ça ne fait pas deux semaines, ma tante est morte de ça. Voilà. Donc, elle est là. Je ne sais pas, beaucoup d'entre nous, au moins une personne, qu'on a au moins une personne qui est décédée de ça, comme Manu Dibango. Mais dans ma famille, j'ai déjà un cas concret, quoi, ma tante qui est décédée de ça. Merci, monsieur Tonka. Merci à tous nos téléspectateurs. On rappelle que c'était... on rappelle que cette émission avait pour but principal de présenter deux grands entrepreneurs qui, en la personne de M. Merlin Tonka, un membre de la VKI, CEO Tonka La Salle et promoteur de l'application Stop Coro. Coro. Lui qui a accepté comme ça de venir dans cette émission, nous présenter, nous parler et son implication, son impact, tout ce qu'il a donné, tout ce qu'il a fait dans la lutte contre le coronavirus. Il est à près de 10 000 euros, lui et son entreprise, toute sa structure dans ce projet et il compte faire davantage. Alors, pour le soutenir dans cet élan, madame, monsieur, nous vous prions de continuer à réagir de manière positive dans cette campagne initiée par la VKII qui regroupe tous les membres de la diaspora camerounaise en Allemagne et en Europe. Alors, comme deuxième
panéliste sur ce plateau. J'ai eu le privilège également de recevoir Monsieur Yvan Djumi. Il est très jeune, jeune entrepreneur qui a également été formé et positionné, si je peux dire comme ça, par Monsieur Merlin Tonka. Aujourd'hui, il a sa propre structure, mais il continue à être parrainé par ce grand frère qui œuvre davantage, qui se bat jour et nuit pour un transfert de connaissances en direction du Cameroun. Il est aujourd'hui, Yvan Djumi, membre de la VKI Cameroun et initiateur du projet ESIT. Madame, Monsieur, le plaisir était pour moi. Merci d'être resté nombreux connectés à BiliProd en partenariat avec la VKI. Partagez massivement ce live. Et si vous avez envie d'entrer en contact avec ce jeune promoteur ou monsieur Tonka, vous pourrez soit m'appeler au 0049 176 20 96 48 ou entrer directement en contact avec les membres de la VKI. Nous allons vous donner leur contact afin que vous échangez et peut-être booster davantage le niveau de l'économie, booster davantage l'entrepreneuriat au Cameroun. Bonsoir et au revoir la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Diaspo Science et Tech. Ici, c'était Justin Guigui. Merci. Merci. Merci.